Je m'appelle Pedro Pires et je suis concepteur des projections sur le spectacle Totem. L'importance des projections, c'est d'accompagner l'idée de l'évolution de l'homme et tout le parcours qu'on fait à travers les civilisations d'une façon graphique. Je suis parti de la forme de la scène, puis j'ai, bon, oui, beaucoup de surface d'eau, mais j'ai aussi extrapolé cette forme-là à, par exemple, projeter un masque de tribu, parce que la forme est ronde. Puis là, les roseaux sont devenus les cheveux de ce masque-là, donc ça a ouvert une porte. Ah, ça, c'est intéressant. Ensuite, l'eau qui va s'assécher, qui fait un sol craqué, qui devient ensuite la lave. Donc, on essaie de faire un parcours comme ça à travers différents phénomènes naturels. Il a fallu que j'aille tourner beaucoup de choses, comme j'étais allé tourner en Islande, à Hawaï, j'étais allé tourner aussi à Guatemala, de la lave. Donc ça, c'était pas mal trippant. Escalader de montagne pendant 2 heures pour aller filmer de la lave à 2 pieds de moi. La lave était juste là. Non seulement il y a des projections, mais il y a aussi un volet interactivité où on a ajouté des caméras qui détectent la position des acrobates, qui fait réagir les surfaces d'eau, par exemple, au déplacement des personnages. Donc on commence à intégrer ça dans le spectacle aussi.